chants de joie. Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, depuis ce matin, nous sommes en ce lieu pour proclamer l'existence, la puissance et la grandeur de notre défenseur, de notre médiateur, de notre témoin, le Christ Jésus, est parvenu à ce sommet de la journée. Notre activité parvient également à son sommet, la célébration de l'Eucharistie, moyen par lequel Jésus a prouvé la suprématie de sa force sur l'accusateur, le moyen par lequel il nous a sauvés, il nous a délivrés et il compte nous sauver, nous délivrer toujours par amour pour Dieu et dans l'amour de Dieu. Nous aussi, nous sommes là devant ce Jésus, mais bien souvent, au-dedans de nous, nos fautes nous accusent, notre vie nous accuse. C'est pourquoi, au début de cette célébration, nous voulons demander pardon au Seigneur pour toutes les fautes contre lui, pour tous nos péchés, nos manquements. Demander au Seigneur de nous faire miséricorde. Demander au Seigneur de nous prendre avec lui, de nous bénir, de nous purifier et de nous faire célébrer cette Eucharistie en toute dignité. C'est pourquoi nous allons nous préparer à la célébration de la dite Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements
et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Coëlette. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin. Écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleur, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre, comme elle vint, elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur. Thank you.
tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. De nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Ta journée, Seigneur, ta journée, Seigneur, ta journée. Seigneur, tu as été notre refuge, Seigneur. Seigneur,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Luc, chapitre 9, versets 43 à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous prenons un chant à l'esprit pour nous disposer à recevoir cette parole qui vient, parce que c'est Jésus lui-même qui nous est annoncé et c'est le défenseur tant qu'il restera à l'extérieur de nous. Sa présence. Appelons l'Esprit pour qu'il nous aide à accueillir Jésus dans sa parole. Que l'ennemi ne soit pas à mesure de nous ravir cette parole, source de libération et de vie. Saint-Esprit, chacun de nous est invité à chanter ce chant pour que le défenseur, le paraclet, vienne mettre les garde-fous autour de nous et que l'ennemi ne vienne pas arracher ce que le Seigneur veut s'aimer dans notre cœur. Je sais que tu de succès
elle est gage de relation avec toi. Alors nous te demandons de protéger cette parole, que l'ennemi qui rôde ne puisse pas nous voler comme il a toujours fait, qu'il ne puisse pas nous voler cette grande richesse que constitue ta parole. À toi la gloire, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, la première lecture que nous venons d'entendre invite le jeune homme à bien profiter de la vie. À bien profiter de la vie parce que vanité des vanités, tout est vanité. Demain, il n'y a plus rien. Mais en voulant profiter de cette vie, bien souvent, il y a des choses que nous constatons. Le peu de richesse qui nous est donné nous est volé. On ne sait par quelle magie, on ne sait par quel moyen. Souvent, ce qui nous appartient disparaît. La santé même qui nous est donnée pour pouvoir jouir des richesses que nous avons, très souvent, cela est ruiné en une fraction de seconde. Et on ne peut même plus profiter de la vie. La vie pour laquelle nous avons travaillé, nous avons fait des efforts. On ne peut pas profiter de la vie. Sous d'autres cieux, on parlera des sorciers. D'autres niveaux encore, on dira main percée. À d'autres niveaux encore, je ne sais pas, mari de nuit, femme de nuit. D'autres niveaux encore, on dira je suis venu pour les accompagner dans la vie parce que rien ne réussit. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On mène la vie et à un moment donné, on s'arrête. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne marche. Ou tout est bloqué. Ou tout commence à s'arrêter. Tout commence à se gripper. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et l'Évangile va nous donner une lueur qui nous permettra de rentrer dans le thème de notre évangélisation de ce jour. L'Évangile va nous dire que tout le monde était dans l'admiration. Et pendant que tout le monde était dans l'admiration, Jésus va venir dire, le Fils de l'homme va être livré. Tout le monde est dans l'admiration très souvent. L'admiration de nos biens, de nos intelligences, de notre sagesse, de nos capacités, de notre santé, de notre pouvoir, de nos relations. On est en admiration dans le monde. On est en admiration. On ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous. On ne fait pas attention, ou du moins, on ne prend pas en considération le fait qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de nous, qui veut voler. On est seulement pris dans l'émotion, dans la passion, dans l'euphorie. Et on contemple toutes choses dans l'admiration. On est heureux. Oui, c'est bien d'être heureux, mais pas naïvement. Malheureusement, nous sommes parfois heureux naïvement. Et le diable, c'est de lui qu'il s'agit, ce bandit, ce voyou, qui rôde autour. Et il se rend compte qu'on ne prête pas attention à l'essentiel. Alors, il nous dérobe. Jésus attire notre attention en disant, le Fils de l'homme sera livré. Et la finale de l'évangile dit que les disciples n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Et ils n'osaient pas l'interroger. Le Fils de l'homme. Et là, on va arriver. Parlant de témoins, témoins fidèles, le Fils de l'homme, c'est lui. Le témoin fidèle. Et on montrera comment est-ce que de par la fin de cet évangile, Jésus montre que c'est le Fils de l'homme seulement qui peut nous délivrer, pas quelqu'un d'autre.
car le Fils de l'homme est avant tout Fils de Dieu. Ce sont deux réalités de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut prendre en compte. Chers frères et sœurs, chacun de nous ici est venu parce que fatigué d'être volé, d'être spolié, parce que le Dieu qui nous a créés avec bonheur. Il nous a créés pour vivre le bonheur. Il nous a créés pour vivre heureux avec lui. Il nous a créés pour vivre en paix avec lui. Il nous a créés pour que nous soyons à l'aise les uns avec les autres. Malheureusement, les épreuves de la vie, comme je l'ai cité au début, la pauvreté qui peut nous frapper à n'importe quel moment, la maladie qui peut tout ruiner, peut venir même s'ajouter à des relations humaines, des dénonciations, des trahisons qui viennent augmenter le poids de notre souffrance. Et comme Job, la vie n'a plus de sens pour nous. La vie n'a plus de sens. Et la finale de l'évangile nous dit, le Fils de l'homme va être livré. L'évangile nous donne déjà la solution, ou du moins nous donne la capacité de lutter et de montrer qui lutte pour nous quand le voleur est en agitation. Chers frères et sœurs, chacun de nous est venu ici avec une position de Job, une souffrance. Et il vient chercher cette espérance. Et Job nous donne de pouvoir avoir une lueur quand il dit, mon défenseur, le témoin fidèle est debout, je le vois. C'est lui qui va nous délivrer. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Le témoin de l'homme est déjà présent. Pourquoi le témoin est présent? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour une existence périssable, comme le dit le livre de la sagesse. Et comme le dit le psaume aussi, Dieu ne nous a pas créés pour être dans le monde comme dans un lieu vide. Dieu n'a aucun intérêt à le faire. Le livre de la sagesse dit, tout ce que j'ai créé, c'est parce que je les aime que je crée. Si je n'aime pas, je ne crée pas, personne ne peut me faire quelque chose. J'aime bien cette phrase-là. Tout ce que je crée, c'est parce que j'aime. Si je n'aime pas, je ne crée pas. Personne ne peut lui demander des comptes. Oui, Dieu nous a créés et il nous aime. Il faut savoir qui fait quoi, qui nous dérange. Celui qui nous dérange, nous le connaissons. Il s'appelle, ou du moins, on l'appelle Satan. On l'appelle Satan. Mais on l'appelle Satan sous divers noms. On l'appelle l'accusateur. Si on a avec Job notre témoin qui est debout, ça veut dire que c'est parce que quelqu'un nous accuse. Quelqu'un nous accuse. Quand nous commettons le péché, quand nous sommes en faute, il nous accuse. Il nous fait croire que nous sommes plus dignes de Dieu et que l'amour de Dieu ne peut pas venir jusqu'à nous. Il nous accuse. C'est vrai, nous sommes en faute, mais on n'a pas besoin d'un autre accusateur, on le sait. Mais lui, il va venir nous accuser après avoir créer les conditions pour nous précipiter dedans. Il est mauvais. Il est mauvais. Simplement, il est mauvais. Et c'est pourquoi il est l'accusateur. S'il y a un témoin, il y a un accusateur. Il y a un accusateur. Et cet accusateur, on l'appelle diable parce qu'il calomnie, il nous accuse. Apocalypse chapitre 12, mais aussi Zacharie chapitre 3, verset 1. Ce Zacharie chapitre 3, verset 1, je souhaiterais qu'on le lise pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne comment est-ce que ce petit bandit, ce voyou, ce délinquant fonctionne. Et je vais vous le lire.
Zacharie chapitre 3, verset 1. Il dit, le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient aussi là pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur, « Que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu ?» Yeshua, debout devant l'ange, est couvert d'abyssal. L'ange commande à ceux qui sont avec lui de lui enlever ses habits, puis dit à Yeshua, « Regarde, je t'ai enlevé tes fautes et tu pourras mettre tes habits de fête. » Voilà, Dieu veut purifier son fils. Et l'autre dit non. Il veut le convaincre à ne pas enlever ses habits sales. Pour qu'il reste dans ses habits sales. Pour ne pas qu'il rencontre cette gloire de Dieu, cette bonté de Dieu qui est dans les habits de fête. Il ne veut pas notre dignité. Il est créé comme nous, mais il n'aime pas notre dignité. C'est aussi un être qu'on appelle séducteur. Séducteur, regardez à la Genèse, il a séduit nos parents Adam et Ève. Et Ève a dit, ce fruit-là, il paraît bon. Il paraît bon. Il paraît délicieux. Donc, il les a séduits pour les détourner de la face de Dieu. Il est mauvais. Il sait que Dieu est bon. Il ne veut pas que nous profitions de cette bonté, de cette générosité de Dieu. Il est l'accusateur des frères. Et on pourrait le regarder aussi avec Romains chapitre 16, verset 17 à 20. L'accusateur des enfants de Dieu, et il sera à la base de nos disputes pour nous diviser entre nous. Et aujourd'hui, on fait l'amère expérience de sa présence dans les couples. Pour un rien, des palabres surviennent. Dans les familles, entre papa et puis les enfants, pour un rien, des affaires, des palabres surviennent. On ne sait pas d'où ça vient, même parfois après une prière. Quand on est baptisé, on devient, je pourrais le dire, mauvais plus qu'avant. Quand on est marié, c'est là qu'on est tenté par d'autres expériences. Parce que le monsieur qui est là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux et il ne veut pas de ce qui est sérieux. Lisons Nombre chapitre 31, verset 16, pour montrer combien de fois il fait des bêtises. Il a voulu employer, utiliser Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Et Dieu a déjoué son plan. Comme il n'a pas réussi, il s'est servi de ce même prophète pour donner l'idée à Balak de mélanger ce peuple avec les nations environnantes et de leur donner occasion de prendre part à des abominations. Nombre chapitre 31, verset 16. Il dit ceci. Pourtant, dans l'affaire de Péor, ce sont justement des femmes madianites qui ont poussé les Israélites à être infidèles au Seigneur. Elles ont fait cela sur les conseils de Balaam. Et ensuite, un grand malheur est tombé sur le peuple du Seigneur. Regardez quelqu'un comme ça. Il nous pousse pour que le malheur tombe sur nous. Il est simplement mauvais. Chers frères et sœurs, 1 Chroniques chapitre 21 verset 1 va dire que c'est lui qui a incité David à procéder au dénombrement du peuple d'Israël, ce que Dieu ne voulait pas. Ce monsieur va être toujours là pour nous détruire avec des noms différents. Et il va continuer à séduire. Il va continuer à faire le mal durant les âges.
Ce n'est pas seulement à notre temps. Mais quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu dans le monde, il a tout fait, il voulait le supprimer en même temps. Parce qu'il sait que c'est lui le défenseur. Il faut supprimer le défenseur à la racine. Et on va voir que Jésus, après sa naissance, le roi Hérode va le chercher pour le tuer. Il va chercher à le tuer. Parce que ce défenseur, cet avocat, si jamais il prend possession de son règne, alors c'est fini pour lui. Il va le faire et il va continuer jusqu'à pousser au milieu des apôtres, Judas Iscariote, pour le pousser davantage à la trahison, trahir le maître, pour que ce maître puisse être supprimé, nous n'aurions plus de témoins, et là maintenant il peut faire ce qu'il veut. Or, c'était mal connaître Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, le Fils de l'homme doit souffrir, sera livré. Parce que le Fils de l'homme signifie l'amour de Dieu auprès des hommes et la présence des hommes auprès de Dieu. Il ne peut pas supporter. Parce que si quelqu'un doit nous défendre, c'est quelqu'un qui connaît notre humanité, c'est quelqu'un qui vit avec nous, c'est quelqu'un qui connaît nos faiblesses et c'est quelqu'un qui est résolu par amour à nous sauver. On ne peut pas sauver quelqu'un si on ne l'aime pas. On ne peut pas. Et c'est là le combat. Quand Jésus est mort et quand Jésus est monté aux cieux, il pensait qu'il n'est pas là, donc il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas connu ce qu'on appelle présence-absence. De loin, Jésus a plus que des drones actuels capables de surveiller ses enfants et de les protéger contre le mal. Il se déchaîne contre l'Église. La persécution commence. Les apôtres sont divisés. Les disciples sont éparpillés, dispersés dans le monde. Là encore, Jésus va utiliser pour semer davantage l'Évangile. On n'a pas encore fini. Dans l'église naissante, il va pousser Ananias pour faire mentir à l'esprit. Parce qu'il sait que ce drone de Jésus-Christ, c'est l'esprit. Cette présence-absence, c'est l'esprit. Alors, si on apprend à mentir à l'esprit, alors on nie la présence de Dieu. Et lui, il règne. Donc, il commence avec Ananias. Ce bandit, ce délinquant, chers frères et sœurs, ne connaît pas le repos. Non, il ne connaît pas le repos. Lui, il est plus qu'énergiseur. Il est toujours là. Et c'est pourquoi la parole va nous dire que il rôde autour, cherchant qui dévorer. Il n'est jamais fatigué. Mais c'est là qu'on se fait avoir. Quand nous sommes fatigués, c'est là aussi que lui aussi, il a pris ses pilules énergisantes. Et puis maintenant, il est en action. Chers frères et sœurs, on pourrait dire, bon, ça s'arrête à l'église ancienne, l'église naissante. Mais aujourd'hui encore, son effet est encore là. Il passe sous le prétexte de la mode et de l'évolution pour séparer les époux, les parents et leurs enfants. C'est lui qui pousse les hommes et les femmes à se trahir et à trahir leur nation. C'est lui qui précipite les peuples dans les guerres à partir de la convoitise et des envies. Des envies démesurées du pouvoir et de l'argent. C'est lui qui instaure dans la politique et dans l'économie nationale et internationale des rapports d'intérêt basés sur le faux et sur l'arbitraire. C'est lui. C'est lui qui met de façon intelligente dans nos tests et même dans nos lois les gènes de la division. C'est lui.
C'est lui qui introduit la tiédeur dans la vie spirituelle des chrétiens dès leur baptême ou leur mariage, entraînant le manque de confiance en Dieu et le désir d'un monde sans Dieu. C'est lui qui tente de distraire le peuple de Dieu à ne pas accepter la croix comme moyen de sanctification dans la vie. C'est un bandit, un voyou. C'est plus qu'un... On cherche les cybercriminels, mais il faut le prendre. Il faut le prendre parce que son réseau est très, très, très complexe. Il faut le prendre. C'est lui qui nous fait miroiter notre intelligence et nos progrès comme les fruits de notre propre force, oubliant que Dieu a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il nous fait croire qu'on peut tout faire. C'est lui. Alors, quand on pense qu'on a des progrès, on pense qu'on peut tout faire. Et on prend même nos pensées, comme le dit Ézéchiel, ils prennent leurs pensées pour des pensées divines. On est capable de décider de la vie de son frère. On est capable de le précipiter en prison. On est capable de le précipiter dans la mort. On est capable de le précipiter dans la pauvreté. Quand on a une parcelle de pouvoir, pouvoir politique, pouvoir judiciaire, il travaille à nos côtés pour précipiter la vie de nos frères. Des gens qui n'ont rien fait, on est sûr, mais on ne peut pas les aider. Il nous convainc à les jeter en prison. Il nous convainc à les tuer. On n'a pas le droit de tuer. Mais ce voyou, ce délinquant, nous pousse à tuer nos frères. C'est lui qui entre dans le monde et s'attaque à certains de nos frères sous la forme de maladies d'origine inconnue et de nature incurable. On ne connaît pas ta maladie. On ne peut pas soigner non plus. C'est quoi ça? Parce qu'il est rentré certainement dans l'intelligence de certains et ont créé des choses qu'on ne peut pas dominer après. Parce qu'il est rentré dans l'intelligence de certains par la cupidité et ils nous ont fait prendre des décisions qui précipitent l'ensemble. C'est lui, l'accusateur des peuples, l'accusateur des familles, l'accusateur des personnes, l'accusateur des chrétiens. C'est lui, l'accusateur des hommes de bonne volonté. Comme il est malhonnête, il nous pousse avec excès et à entrer dans les erreurs. Et ensuite, il se présente devant Dieu tout bonnement pour nous dénigrer, nous calomnier. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il s'en va devant le Seigneur. Si tu lui arraches les richesses, il ne va plus t'aimer. Le Seigneur dit arrache. Il arrache, le gars continue d'aimer Dieu. Après, il s'en va encore. Je ne te dis pas, hein, si tu lui arraches la santé, là, je suis sûr qu'il va te maudire. Le Seigneur dit, va. Il lui donne la lèpre, tout ça, lui sert, tout. Et maintenant, il est tout content. Il n'a pas atteint son but, mais il est content de voir. C'est un sadique. C'est un sadique. Mais devant ce monsieur, devant ce voyou-là, qui aujourd'hui a précipité beaucoup d'entre nous, se lève fort heureusement grâce au oui de la Vierge Marie qui est présente au milieu de nous et qui nous accompagne, se lève pour nous un soleil de justice, se lève pour nous une lumière véritable, le vrai avocat, le témoin par excellence, le fidèle des fidèles, Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, le témoin éternel, le témoin sûr, le témoin certain, le témoin bon. Jésus-Christ va démontrer une autre forme. Il dit, c'est seulement l'amour qui est capable de vaincre ce petit délinquant, ce petit voyou. Et Jésus vient. Et déjà, Job avait commencé à voir. Il dit, je le vois. Mais ce témoin, vous allez me dire, mais qui t'a dit que c'est Jésus? Le livre des Actes des Apôtres, la mort de Étienne. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois Jésus, Jésus-Christ, debout à la droite du Père. Ce témoin fidèle, c'est Jésus. Il est debout à la droite du Père. Il est la puissance de Dieu. Et il est là pour nous. Il est là pour nous, ce témoin fidèle.
Mon petit, viens avec le livre, la Bible. On va lire Romains chapitre 8, verset 33. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui ce monsieur extraordinaire, Jésus-Christ, témoin fidèle, témoin sûr, témoin crédible, témoin bon, témoin éternel. Il dit, on va se moquer de Satan, hein? On va se moquer de lui. Quand je vais lire, hein, quand je mets une pause, vous dites, ok, on va se moquer de lui. On va se moquer de lui pour qu'il puisse se déchaîner et que Jésus-Christ puisse le lier davantage. Et il va le voir aujourd'hui. On va se moquer de lui. Écoutez, que dit de plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Est-ce que vous avez entendu? Il va tout nous donner gratuitement. Ce que ce monsieur nous a volé, dit à Satan, ce que tu nous as volé, Dieu va nous donner gratuitement. Il va avoir honte aujourd'hui. Dieu va nous donner gratuitement, on écoute encore. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne. Lui veut nous accuser, qu'est-ce qu'on lui dit? Il ne peut pas nous accuser. Parce que personne ne peut accuser ce que Dieu a racheté. C'est ça. Vous voulez encore? Il dit, en effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Il va avoir honte aujourd'hui. Il va avoir honte. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres? Ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Personne. Il s'est déchaîné, il s'est vidé, il a utilisé toute son intelligence, mais pour rien. Chers frères et sœurs, avec le Fils de l'homme, avec le Fils de Dieu, nous avons tout. Nous avons tout. Et comme je vous l'ai dit, ce Jésus, le témoin fidèle, c'est celui que Étienne a contemplé. Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu. Il dit en Actes chapitre 7, versets 54 à 56, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Quand les gens sont remplis de rage, quand le mal se déchaîne, nous devons, comme Étienne, poser le regard sur le ciel et voir Jésus debout à la droite de Dieu. Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Fils de l'homme dont je vous parle dans cet évangile, c'est lui qui est debout à la droite de Dieu. C'est lui. C'est lui, il est debout. Mais Job lui-même va dire en Job chapitre 19, « Je sais, moi,
que mon libérateur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il prendra la parole en dernier. Et je le verrai. Je le verrai, je le regarderai. Il ne détournera pas son regard. Je le contemplerai. Il me regardera. Alors le Fils de l'homme, celui qui combat pour nous, il est vivant. Il est vivant. Ce Fils de l'homme défenseur, c'est Jésus-Christ. Il est défenseur aujourd'hui, mais aussi il est notre avocat. Comme le dit 1 Jean chapitre 2, verset 1, c'est notre avocat. Il intercède pour nous. Il est auprès de Dieu. Il demande à Dieu pardon, pardon, pardon. Il dit, regarde-moi, regarde-moi. Quand tu veux les regarder, regarde, je suis le miroir. Regarde-les à travers moi parce que je suis un prisme convertisseur. Je suis là pour les purifier. Je ne veux pas qu'ils soient abandonnés. Je ne veux pas qu'ils échappent à ta gloire. C'est notre avocat. Il est défenseur. Il est avocat. Il est témoin. Donc, dans le tribunal, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est fini. Quelqu'un m'a dit, quand je lui ai dit c'est fini, il m'a dit, mais est le juge? Oui. C'est justement là, parce qu'il est debout à la droite du Père, et la droite du Père, c'est Dieu lui-même. Donc, il est le juge, il est l'avocat, il est le témoin, et un farfelu d'accusateur se retrouve devant lui, oubliant qu'il est plein d'amour pour nous. Chers frères et sœurs, Jésus, témoin fidèle. Vous allez me dire, mon Père, démontre-nous pourquoi est-ce qu'il est témoin fidèle. Apocalypse chapitre 1. Jean, parlant du message aux églises, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est le témoin fidèle, mais il est le prince des rois de la terre. Il commande là-bas, il commande ici. Chers frères et sœurs, Romains chapitre 3, verset 25, va nous dire encore que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Jésus est pour nous le témoin fidèle. Témoin fidèle. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. L'agneau est toujours vainqueur. Il les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Nous avons donc pouvoir pour vaincre ce mécréant-là, ce petit cybercriminel. Chers frères et sœurs, quel est le rôle donc de ce témoin fidèle, de ce témoin Jésus-Christ? Jésus-Christ va avoir trois rôles. À partir d'Apocalypse chapitre 1, verset 5 et Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous allons voir trois aspects du rôle de Jésus, le témoin fidèle. Celui de témoin de Dieu. Jésus est témoin de Dieu.
témoin de son amour auprès des hommes. Il nous dit combien de fois Dieu nous aime. Et Saint Jean nous dit, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Ce que le Père m'a envoyé, je ne les jetterai pas dehors. Il est d'abord témoin de l'amour de Dieu. Pour nous dire, pour dire à chacun de nous ici que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas une simple philosophie ou bien des choses pour nous contenter l'esprit. C'est une réalité. L'amour de Dieu est une réalité, est une puissance. Dieu ne plaisante pas avec l'homme. Il ne plaisante pas avec l'homme. Et quand vous lisez, vous prenez la prière eucharistique numéro 4, on décrit comment, au fil des âges, Dieu a prouvé son amour pour le peuple. Et aujourd'hui, beaucoup font l'expérience de cet amour de Dieu. Deuxième rôle, il est le témoin des hommes auprès de Dieu. C'est pourquoi il est debout à la droite du Père pour demander pardon au Père. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dira qu'il est le sacrificateur qui est rentré dans le sanctuaire, le Saint des Saints, une bonne fois pour toutes, et personne n'y entrera. Il offre un sacrifice éternel selon l'ordre du roi Melchisédek. Le sacrifice inégalé, inégalable, inattaquable, inaltérable. Le troisième rôle, c'est le témoin de l'amour. Vous allez me dire, mais mon Père, on a déjà vu témoin auprès de Dieu, témoin auprès des hommes. Mais l'amour est important. Parce que Job voyait Dieu trop loin, un justicier trop loin. Et il a même dit que lui, son problème, c'est que Dieu là, on ne peut pas l'attraper pour venir faire un tribunal, pour venir s'asseoir et puis juger affaire là. Depuis lui, il souffre. Dieu, il est quelque part. On ne peut pas l'attraper pour venir juger l'affaire. Jésus nous montre que Dieu n'est pas si loin et c'est le lien de l'amour. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu comprends l'amour de Dieu, ne te sens pas abandonné, ne te sens pas délaissé, parce que le témoin est là pour toi. Donc l'amour est important. Si tu ne crois plus que Dieu t'aime, c'est fini. C'est fini. Tu brises le lien qui permet à ce défenseur de te montrer l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Le Christ est témoin de Dieu. Témoin de Dieu pour nous manifester, pour dire le oui de Dieu, l'amen de Dieu. Dieu veut. Quand Marie dit oui, c'est l'amour de Dieu qui se déchaîne et se précipite sur l'humanité. Alors, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Le oui de Dieu qui témoigne aux hommes l'amour, la compassion, la richesse du Créateur. Dieu veut tout cela pour nous. Ne vous laissez pas distraire. Je vous ai dit dès le départ, si vous vous concentrez sur des choses qui ne sont pas essentielles, vous raterez. Et je sais que vous savez de quoi on parle. Christ, témoin des hommes. Il est témoin des hommes, il relie l'homme à Dieu et nous permet de nous identifier à Dieu. Il permet à chacun de nous de trouver la force, de trouver le réceptacle nécessaire pour se vider de sa douleur, de sa souffrance et pour se recharger en bonheur, en grâce. Le Christ est témoin de l'amour. Un amour qui donne vie,
Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'il ait en abondance. C'est l'amour qui donne la vie. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui réunit ceux qui sont séparés. C'est l'amour qui inspire, qui aspire, qui respire, qui soupire. C'est l'amour qui permet de suivre l'autre. Chers frères et sœurs, le témoin fidèle, c'est Jésus, prince de l'amour. Il nous aime et ne permet pas que ce petit voyou nous malmène davantage. Que dire de plus? Le Fils de l'homme, si vous regardez dans les évangiles, Jésus même, lui-même, il aimait bien ce nom. Il s'attribuait ce nom, le Fils de l'homme. Alors que les autres vont l'appeler Fils de Dieu, lui, il dit Fils de l'homme. Vous savez que si quelqu'un vient chez vous, comme il y a des blancs chez nous qui sont là, s'ils vont chez vous, vous leur donnez les pagnes traditionnelles pour coudre, pour être ici, non? Pour qu'ils se sentent d'ici. Ils apprennent à parler pour se sentir ici. C'est ça, le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme est avant tout le Fils de Dieu. Mais pour ne pas rester étranger à la vie de l'homme, il veut être le Fils de l'homme. Pour dire à chacun de nous, je suis avec toi, je participe de ta vie, je partage ta vie, je partage tes souffrances, je partage tes peines. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui marche à côté de toi, mais je fais corps avec toi, je fais un avec toi, je suis uni avec toi, je combattrai avec toi. Avec toi, nous serons vainqueurs. Comme je suis vainqueur, je ne suis pas quelqu'un qui est là seulement pour accompagner. Non, je suis une partie de toi. Et c'est pourquoi il s'est donné comme Eucharistie. Le pain que nous mangeons se confond à notre sang, se confond à notre chair. Jésus est complètement, totalement et définitivement lié à notre nature humaine et prêt à nous sauver, prêt à combattre. Il est prêt à combattre. Le livre de l'Apocalypse dit que le lion, l'agneau, il a été égorgé, mais il est debout, il est vainqueur. Et si vous comparez l'agneau de l'Apocalypse et l'agneau de Saint-Jean, ce n'est pas le même agneau. L'agneau de l'Apocalypse, il a des cornes. C'est un bélier, un combattant. Et Jésus est un combattant. Il est combattant, le témoin fidèle est combattant. Il est notre soldat. Il est à notre côté, prêt à combattre. Il faut nous ranger en ordre de bataille. Qui veut faire la bataille? Si vous voulez faire la bataille tout à l'heure, Jésus sera là. Il va nous aider à faire la bataille. Chers frères et sœurs, l'agneau qui nous défend, ce témoin fidèle, mérite adoration. Il mérite louange. Il mérite honneur. Il mérite gloire. Il mérite adoration parce que Apocalypse chapitre 5 dit « Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ?» On fouille au ciel, il n'y a personne. On fouille à terre, il n'y a personne. On fouille dans les abîmes, il n'y a personne. Le petit Saint-Jean, le visionnaire, il est là. Et puis le test dit, il est là, je me sentis triste. Et l'ange me dit, ne crains pas. Ne crains pas. L'agneau est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. L'agneau est digne de prendre le livre de ta vie, d'en ouvrir les sceaux. Il est digne de prendre le livre de la vie de ta famille, d'en ouvrir les sceaux. Il est digne de prendre le livre de vie de ta santé, de ton aspiration professionnelle, sociale. C'est lui, l'agneau. Il est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Il est capable de te dire ce que Dieu a écrit pour toi, il est capable de le faire exécuter, d'où il mérite adoration. Est-ce que le cœur, vous pouvez prendre le chant? Jésus, il mérite l'adoration, adoration, adoration. Vous connaissez ça? Il faut connaître.
Viens. Ouais, c'est bon. Et nous terminons sur ce point. Chacun de nous doit se lever et chanter. Jésus, le témoin fidèle, mérite Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées.